Et nous avons suivi, enfin, nous avons écouté la formation à Anvers novembre pour une formation sur la gestion des ports, gestion portuaire, et sur le Lean Six Sigma. Le Lean Six Sigma, surtout qui est le clou donc, de cette formation-là, qui nous a donc, à la fin de cette formation, nous avons été tous certifiés Yellow Belt, c'est-à-dire ceinture jaune de Lean Six Sigma. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait en termes terre à terre? C'est montrer comment est-ce qu'on peut gérer, on peut améliorer nos processus en éliminant les gaspillages. En éliminant les gaspillages donc, et en faisant en sorte donc, de maintenir une qualité et surtout ramener cela au niveau donc, des services du port par rapport au client. Comment est-ce qu'on intègre tout ça dans la qualité des services que le port produit à ses clients? Et à l'issue de ces formations-là, quand on est revenu, on a pu améliorer des processus que nous avions au niveau du port, notamment au niveau donc du domaine, au niveau donc de la facturation. Comment est-ce que, on évalue tous les processus, où est-ce qu'on perdait du temps, où est-ce qu'il y avait des répétitions, des pertes d'argent et tout ça, et on améliore les processus. Donc c'est une formation qui permet de revoir en fait notre manière de travailler et d'améliorer cela par rapport aux clients. Donc, c'est un processus qui est toujours qui va se poursuivre en 2024, où nous devons maintenant prendre en charge certains projets sur lesquels nous allons mettre en application donc, la formation sur le Lean Six Sigma. Nous avons suivi exactement la même formation. Puisqu'il a parlé beaucoup plus de Lean Six Sigma, je voudrais compléter pour dire que la formation ne s'est pas limitée à Lean Six Sigma. On a aussi toucher le volet professionnel, ce qui nous concerne surtout nos activités portuaires. Donc, il y a une formation orientée vers la gestion portuaire où plusieurs experts de Pouabi nous ont entretenu sur des thématiques touchant le volet commercial, finance et informatique, donc la digitalisation, les concessions, les activités portuaires. Donc, à la fin, nous avons eu l'occasion de visiter également le port d'Anvers et le port de Bruges, ce qui nous a permis de toucher du doigt ce qui se fait réellement pour faire une comparaison. Parce qu'ici, normalement, vous améliorez vos processus, vos manières de faire. Soit vous pouvez partir d'un constat ou alors partir de ce que vous avez constaté, vous avez remarqué qui se fait ailleurs. Donc, cette comparaison a touché voir ce qui se fait ailleurs nous a permis de savoir là où nous devons nous améliorer, là où nous-mêmes on se rend compte qu'on était déjà avancé. Voilà. Toujours dans le même sens, on nous a fait visiter la ville de Bruges, la ville d'Anvers. Tout ça, ça a permis une ouverture d'esprit en tant que manager. Donc, en gros, je peux dire comme il a dit à la fin, au retour au port autonome de Cotonou, chacun dans ses différentes activités, on a essayé d'abord de partager cette expérience avec les collègues et dans nos différentes activités de voir ce qu'il faut améliorer.